Dans Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans Jules, il est notre juge qui juge la peur. Lui, il est le rédempteur. En tout Samuel, il est un prophète de confiance en roi et chronique notre roi qui règne. Dans Esra, le scribe d'Ivette. Dans Néhémie, le reconstructeur des murs détruits de la vie humaine. Dans Esther, notre marché. Dans Job, il est le roi du ciel et notre éternel rédempteur. Dans Zon, l'éternel notre berger. Dans Proverbe et Ecclésiaste, notre sagesse. Dans Conseil des Cantiques, il est l'amoureux de l'époux. Dans Isaïe, il est le prince de paix. Dans Jérémie, il est le jeune juge. Dans Lamentation, le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, il entre le quatrième visage. Dans Daniel, le quatrième homme de la fournaise ardente. Dans Conseil, il est le mari fidèle pour toujours marié au rétrograde. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Amos, le porteur de bateau. Dans Abigail, puissant sauveur. Dans Jonas, notre grand missionnaire. Dans Michée, le messager au bon pied. Dans Amos, le vengeur des élus de Dieu. Dans Habacuc, l'évangéliste de Dieu criant, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Dans Sophonie, le sauveur. Dans Asée, le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, la porte ouverte dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Manassé, le soleil de la cité s'élevant avec la guérison sous ses ailes. Tu y es, le quatrième homme. Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, le faiseur de miracles. Luc, le fils de l'homme. Jean, le fils de Dieu. Acte du Saint-Esprit. Dans Romain, notre justicier. Corinthiens, notre sanctification. Dans Galates, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, il est le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Dans Colossiens, la plénitude de la divinité. En qui deux Thessaloniciens, notre roi qui vient bientôt. En qui deux Timothée, le médiateur entre Dieu et l'homme. Tite, notre fidèle pasteur, Philémon, notre ami qui est plus proche que le frère. Dans Hébreu, le sang de l'alliance éternelle. Dans Jean, le grand médecin. Un et deux Pierre, le grand berger. Un, deux et trois Jean, il est amour. Dans Jude, le Seigneur venant avec dignité de ses saints. Dans Apocalypse, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. De Noé, le bélier d'Abraham, le puits d'Isaac, le sel de Jacob, les fardeaux des écarts, le sceptre de Judas, la mer de Moïse, le manteau d'Élie, le bâton d'Élie, la corde de Samuel, la ronde de David, la fille Aïe des Aïe, le cœur consolaire des écarts, les mouchoirs et la nage de Paul, le rocher de Pierre, la cité de Père de Jean. Il est un mari pour les veuves, un père pour les orphelins, pour ceux qui voyagent en pleine nuit. Il est l'étoile brillante du matin, pour ceux qui marchent dans une vallée solitaire. Il est le lys des champs, la rose des sables, le sarment de vie et le miel du rocher. Qui est-il? Qui est le quatrième homme? Il est Jésus! Il est Jésus, le Fils de Dieu! La Bible déclare, mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi de tous les âges. Il est le roi des cieux. Il est le roi de la gloire. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est mon roi. Le connaissez-vous? Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Sa force perdue, sa sincérité est entière. Il est immuable éternellement. Sa grâce est éternelle. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde est impartiale. Le connaissez-vous? Le plus grand phénomène ayant jamais franchi l'horizon de ce monde. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du péché. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable. Il est sans précédent. L'idée la plus élevée de la littérature. La personnalité dominante en philosophie. La doctrine fondamentale réelle de la théologie. Il est l'unique désigné à être le sauveur absolu. Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui. Il procure la force au faible. Il est disponible pour le tenter et mourir. Il sympathise et il sauve. Il fortifie et soutient. Il sécurise et il guide. Il guérit le malade. Il purifie le défaut. Il pardonne le pécheur. Il acquitte le victoire. Il délivre le captif. Le défenseur du faible. Il bénit la jeunesse, il met au service du malheureux, il considère la vie, il réconforte la vie, il en paie l'homme. Je me demande si vous le connaissez. La clé de la connaissance, il est la source de la sagesse, l'enragé de la délivrance.
chance, le sentier de la paix, le chemin de la fortune. Il est la grande route menant à la sainteté, la force menant à la joie. Le volet c'est tout. Sa vie n'a pas d'égal, sa bonté et son unique. Sa miséricorde durera toujours. Son amour ne change pas. Rachetant et sa parole, suffisant et sa grâce. Son règne est bien sûr, son souffle est bien. Son fantôme est l'été. Je veux vous dire, il est plus descriptif, et tu peux m'en incompréhensible. Il est invincible, il est irrésistible, impossible de comprendre des milliers de vos pensées. Vous ne pouvez échapper de vous-même, vous ne pouvez survivre sans lui, ni vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient le supporter, sans contrepartie, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Il a une famille numéro plus fort en lui. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est faux. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le je suis. Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples. Il n'est pas le j'étais ou le je serai, mais il est celui qui est le je suis, celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie. Le je suis, celui qui est avec toi en toutes circonstances. Le je suis, celui qui ne t'abandonnera jamais. Le je suis, celui qui marche à tes côtés. Le je suis, celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Le je suis, celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. Le je suis, celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le je suis, celui qui est fidèle, fiable, défiant, l'ennemi, digne de confiance. Le je suis, celui qui ne change pas. Le je suis, celui qui sera avec toi si tu venais à t'abandonner. Le je suis, celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom cette fois avec moi? Jésus, 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 Jésus. Acclamez le nom du Seigneur ce matin, acclamons le Seigneur ce matin. L'acclame, que Dieu la vie, bon Dieu, en haut, alléluia. Et pas moi, que je vous campe, mais je veux chanter devant le roi de gloire, ma terre. Campez devant le Seigneur, alléluia. Tiens-toi debout devant sa majesté. Et acclamons-le, acclamons sa beauté, acclamons sa fidélité, car il règne éternellement. Il est le Dieu d'éternité, le Seigneur, l'ancien des jours, alléluia. Le lit des palais, amen, gloire à Jésus. Il dit que la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il est le roi de gloire, le Seigneur, alléluia. Dans son palais, tout ce qui doit, les 24 milliards se prosternent devant sa majesté.
et il l'adore en esprit et en vérité. Alléluia, amen. Que dirons-nous donc qui sommes ces images, le reflet de sa gloire? Acclamons-le, célébrons-le, acclamons-le, célébrons-le, acclamons-le, célébrons-le, acclamons-le, célébrons-le. Sauvez pour cette image, mon Dieu, ma mère. Acclamez parce que pour un image, il y a ressemblance. Acclamez parce que fait de vous le Seigneur de sa gloire. Acclamons-le ce matin. Levons-le, célébrons-le. Pour Seigneur éternel, d'être de toi, alléluia. Donc pour ces sacrés cœurs, la matière, comme vous connaissance, pour faire cœur pendant la présence, mon Dieu, ma terre, pour faire cœur pendant la présence, mon Dieu, ma terre, pour ces esprits de joie, pour ces esprits de joie, vous tous, habitants de la terre, vous tous, les enfants de Dieu, pour son esprit de joie, alléluia, gloire à Jésus. Servez l'éternel avec toi, venez avec allégresse, venez avec allégresse dans sa présence. Habitez plus à nos mêmes manières, oui, on a dans ce matin, mais venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez qu'il est Dieu, sachez qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, il règne en haut dans les ciels, en haut dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes, entrez dans ses portes, c'est mon amant de la porte à ma mère. Entrez dans ses portes, entrez dans ses portes, les portes de la louange, les portes de l'adoration, ma mère. Les portes de la sainteté, entrez dans ses portes, ma mère. Entrez dans ses portes, les portes de la gloire. Entrez dans ses portes, ma mère. Dans ses parties avec des cantiques. Célébrez-le ce matin, bénissez son nom. Célébrez-le ce matin, bénissez son nom. Célébrez-le ce matin, bénissez. Alléluia. Célébrez-le ce matin, bénissez son nom. Célébrez-le ce matin, bénissez son nom. Car l'Éternel pour nous est bon. 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 Bonté inattendue. L'Éternel pour nous est bon. Sa bonté dure à toujours. Sa bonté dure à toujours. C'est pas pour un petit moment, mais c'est pour tout le temps. C'est pas pour un petit moment, mais c'est pour tout le temps. Vivons tout bon, vivons à tout temps. Et sa fidélité de génération en génération, de génération en génération. Depuis les mamans des frères vivants, depuis les mamans des frères vivants, depuis toi, maman, Dieu des frères vivants, depuis au commencement vivant, depuis au commencement vivant. Et là toujours bon, alléluia, là toujours bon jusque dans l'éternité. Oui, bon ce matin, oui, il est bon ce matin. On le rend, on le rend, on le rend, on le rend, et le bon ce matin. Yes. Alléluia, il est tous aussi sous les bons matins. Je prie de joie. Y'a plus d'espérance, y'a plus que tout le monde a gagné, y'a plus que tout le monde a gagné, y'a plus qui parle de l'objet, tout le monde, y'a plus qui parle de prendre de situation, y'a plus qui parle de prendre amen, amen de réalité, y'a plus de sœur, y'a plus de sœur. Yo fui que se encourage la flama y me lleve pa' ver, me lleve pa' comprar. Nous le menons les victorieux de Borgoca. Nous le menons l'herbe de la création. Amen, amen, amen. L'esprit, amen, qui intercède. L'esprit, alléluia, toi, Jésus qui agite. L'esprit qui agit au-dessus des cieux, amen. Au-dessus des cieux, amen. L'esprit qui part, l'esprit en sa colère, l'esprit de la ardeur, qui contourne la gagne, qui contourne la gagne. Élevez l'esprit ou de ma présence ni matin. Élevez l'esprit ou de mon trône ni matin. Élevez l'esprit ou de mon trône ni matin. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah.
Connectez-vous à trop du matin. Connectez-vous à trop du matin. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen, 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 amen. Et alléluia. Bienvenue dans nos esprits. Bienvenue dans cette atmosphère. Bienvenue au milieu de nous. Bienvenue reçois de nous l'adoration de Dieu. Reçois de nous la louange de Dieu. Reçois de nous l'adoration de Dieu. Reçois de nous la louange de Dieu. Pour reconnaître ce qui fait. Pour reconnaître ce qui fait. Reconnaître ton c'est l'esprit vivant, l'esprit Yahweh, l'esprit mon âme à connaître. L'esprit de l'amour qui contourne ta garde. Esprit de l'évêché, tu n'as l'amour. Et esprit vivant, esprit à ouvrir, esprit mon âme à connaître. Esprit de l'âme qui conduit bagarre. Esprit de l'évêché, tu n'as l'amour. Oh, esprit vivant, esprit Yahweh, esprit mon âme à connaître. Esprit de l'âme, qui prend tout bagage. Esprit de l'évêché, esprit mon âme. Oh, esprit vivant, esprit Yahweh, oh, esprit mon âme. Esprit de l'âme, qui compte esprit de l'évêché, qui esprit, esprit qui esprit à esprit oh, esprit de l'âme, qui compte esprit de l'évêché, qui I'm
Yeah.
Yeah.
Jésus a sauvé, bon la vie.
Thank you.
Sabule.
Toujours là, qu'est-ce qu'on peut faire?
bloquer chaque parole à Dieu. Je suis libre de toi. Tu vis dans nos yeux. Laisse-moi
fort, dis-le moi. Mais on va venir si vous pas chanter ça. Mais feel of you, feel of you. Oh!
Maman,
Thank you.
Va lui dire ceci.
Appelle-toi. Alléluia. Et bien ici. La femme rebondit. Alléluia. J'ai des preuves, Marie. Alléluia. Jésus lui dit, tu as une raison de dire, j'ai des preuves de ma vie. Car tu as une sainte. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur. Bon, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Où je serai mis sur cette montagne, lui à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs, avons le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Acclamons le Seigneur. Acclamons le lion de Dieu. Acclamons le lion de la Bible de Dieu. Acclamons le premier, le dernier. Le créateur de toutes les choses. Alléluia. Merci, Pasteur. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Seulement les jours, maintenant, bon, je ne vais pas sauter pour vous dire ça. Mais en dedans, vous connaissez cette histoire, bon, Dieu, qu'on va faire, nous nous comprenons. Disciples dit Jésus à mon nom. Jésus dit, on a prévendu Papa nous qui est dans le ciel. Notre Père qui est au ciel. Il dit Dieu est esprit. Et puis il dit nous réveille Papa. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Croire en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, car Dieu est esprit. Enfant de Dieu. Maintenant, nous avons envie de vous que c'est le Père qui engendre, on dit ça tout le temps l'Église, la mère enfante. Engendrer veut dire sortir d'eux. Alors si nous, c'est petit bon Dieu, et bon Dieu, c'est esprit, nous, c'est esprit. Et tout le temps, nous devons quitter niveau monde pour arriver dans le niveau esprit, il y a des problèmes en Dieu. Il y a des problèmes avec le monde. Et adoration à mon niveau monde. Compréhension à mon niveau monde. Comportement à comportement monde. Ça, tout le monde a fait, c'est de ma fête. Ça, tout le monde rêvait, c'est ça m'a prêné. Ça, tout le monde a couru acheter, c'est ça m'a couru acheter tout. Côté tout le monde voulait arrêter, c'est là ma vérité. Dans le pays, tout le monde voulait aller, c'est là ma voulait aller. Parce que de mon niveau monde. Mais le jour où l'Esprit me voit, le jour où je vais me connecter avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que connexion avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est une énergie.
Le Dieu est dans Matthieu 25. Maintenant, c'est la parole de Dieu, de diriger cet esprit, c'est l'île là. C'est ce qui permet de mettre l'homme humain. Même si on a l'homme, il ne faut pas avoir cet esprit, il ne faut pas avoir l'huile, il ne faut pas pouvoir. Il ne faut pas plus. Ça faut étudier dans l'université, un doctorat, pas théologie. Il ne faut pas avoir l'huile. Il ne faut pas comprendre rien. Et ça, c'est important. C'est important pour comprendre. C'est important pour comprendre. Que nous, c'est l'esprit. Et c'est parce que c'est l'esprit lui-même. Le jour où quitter le corps, même si on est le corps, on ne peut jamais répondre. On ne peut jamais répondre. Parce que le corps n'a pas ouvert. Et tout ton passé dans la dimension monde, on aurait toujours des problèmes. Parce que lorsqu'on sent son douleur, on dit où il y a une douleur. Ce n'est pas où il y a une douleur, c'est dans le corps douleur. Mais où il y a une douleur. Où il y a une douleur dans la tête, mais où il y a une douleur. Parce que tête pas où. Pour qu'on doule dans le doigt, mais c'est pas où qu'il doule. Mais le doigt là pas où. Pour ta doigt là, c'est où si on dit qu'on va pleurer, mais on dit mais où. Mais si on coupe le. Si on dit qu'on va pas le prendre, qu'on va enterrer là, on dit mais où. Non. Parce que si on coupe le, il va où encore. La peau tout le temps, il attache la peau. Matin. Même adoration, on ne peut pas le faire au niveau monde. Bon Dieu voulait nous aller plus loin, il veut nous connaître qui est l'esprit. Nous, c'est l'esprit. Nous avons vie éternellement. Soit bon Dieu, soit loin bon Dieu, dans l'enfer de côté Satan. Côté des fêtes pour Satan. Maintenant, encouragez pour qu'à commencer. Mandez mon Dieu pour le monde qui laisse pour y être vraiment. Ça fait chaque fois mon Dieu vient avec mon Dieu, il change mon Dieu. Parce que pas mon Dieu qui laisse vous. Pour ses esprits, Dieu souffle. Le fait que c'est le Père qui engendre, tout petit monde est même nature à papa. Parce que c'est engendré, je veux dire, sans idée. Alors, si bon Dieu, c'est papa, nous nous sentons dans mon Dieu, nous avons la même nature. Ou pas qu'à faire un petit bête, ou pas qu'à faire un petit chat. Ou pas faire un monde parce que c'est mon monde. Ou pas qu'à faire un petit bruit. Alors, bon Dieu, pas qu'à esprit qui font. Il fait esprit. Nous rétablir dans nos corps. Et quand ça lui soumet à nous. On va commencer à faire un pile attention à comment on va dépenser ton corps. À temps à passer dans le corps. À toute imagination à faire pour le corps. Toute politique à faire pour le corps. Toute l'ennemi pour le monde pour le corps. Toute intéressance à faire à cause du corps. Pour ton corps par où? Où c'est l'esprit? Ça fait bon Dieu, on est même gens, c'est parce que tu as reconnu. Si tu es reconnu, tu as la poème, ça c'est qu'à faire mentir. Qu'il y a des clair, des sacs pivots, des sacs pivots, des sacs pivots, des sacs pivots, des sacs pivots. Et ça qui est fait, qui dit si vous, et ça qui est fait, répit. Que ça s'est fait, vous faites, et l'autre, c'est bon, ça, qui est bon, ça, qui est tout, c'est acheté, acheté. Il m'a dit, moi, nous-mêmes, ça, c'est la bonne chose à faire, moi, mais le fait, c'est l'esprit, mon loin. Esprit. Il était esprit. Esprit sans blague. Esprit. Ça veut dire, ouais, nous tous, même genre. On sait qu'on va retourner au même genre parce que nous, ouais, on va plus l'importance de passer au long, on va pas apprécier plus parce que c'est comme vrai. Que bon Dieu ouvre l'esprit et que l'adoration dans le niveau de l'esprit, que l'adoration arrive dans le niveau papa petit. On ne peut jamais honorer un monde qui fait bien, même les gens qui honorent papa. On va faire mon nom plein d'honneur, on va faire mon accolade, on va féliciter. On connaît pas bon, c'est la façon à faire. On peut sauter sous lui. On peut monter sous lui. On peut lever le sous-papa. Parce que c'est papa. Adoration de notre niveau papa. Petit. Pas l'évangile, mais papa. La petite.
que mon Dieu bénit dans ma vie. Que ça qu'on recevra par la guerre. Que ça qu'on recevra par qui est blessé. Ou par qui est orgueil volé. Ou par qui est fierté volé. Ou par qui est misère à la guerre. Ou par qui est la peur emportée. Et que votre amour est grandi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le rite énorme est grandi au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, c'est moi, mon amour. Mon Dieu, bénis nous. La paix, mon Dieu, ensemble avec nous. Amen. Nous sommes capables de camper ensemble avec nous. Qui est bien couvert dans le Somme 116. Pour ne pas gagner bon Dieu fait pour nous. Et même si nous avons passé toute journée en prière, nous ne pouvons pas faire un remercier. Et ça fait qu'on verse dans le texte côté de la lire là. Il dit comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi. Tout le monde qui joue une somme, on va dire Amen. Il y a projeté. Tout le monde qui vient nous va dire ah, Amen. C'est une sorte de reconnaissance des rachetés. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, et tu es de l'âme, et de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. J'élèverai la coupe de délivrance, j'évoquerai le nom de l'Éternel. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'évoquerai le nom de l'Éternel. Ensemble, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu des trois Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Merci de la soirée.